Cette rencontre, c'est parti direct. Hey bien bonjour à le Guten Tag, Niaouz et Samet G73. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA Mobile, comme vous le voyez ici. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, nous allons faire un match. Tiens, je viens de recevoir une notification. Un match de la Ligue contre De Bruyne. De Bruyne, c'est... Que je connais. En vrai. Si vous voyez ce que je veux dire. De Bruyne, voilà, c'est celui-là. Il était dans la Ligue, Savoise Ligue. Avant que j'aille dans la Jam Squad, il m'a rejoint. Et il a bien fait, car la Ligue est très active. Enfin bref, nous allons faire un match contre lui. Nous allons ouvrir des packs. Des packs, qu'est-ce que c'est? C'est pas des packs très très bien. J'ai acheté deux packs pro. On a des packs. On a deux packs exercice. On a quatre packs MLS entraînement. On a pack Argentine qu'on ouvrira en dernier. Enfin non, qu'on ouvrira en dernier de ces packs. Parce que j'ai acheté deux packs pro. Je pense que je me suis bien fait comprendre. J'espère en tout cas. Et deux packs pro, pourquoi pas. Je peux aussi vous conseiller des joueurs si vous le voulez. Je vais vous montrer mon équipe. Je vais vous montrer quelques... Petite nouvelle méthode d'achat en vente, peut-être, je sais même pas si j'en ai des nouvelles. Je vous en remontrerai d'autres. Il y en aura des nouvelles forcément parce que les prix changent tous les jours. Voilà. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, vendredi 25 novembre 2016, à partir de 6h normalement, 6h du matin, c'est le Black Friday. Qu'est-ce que c'est le Black Friday? Ça sera apparemment des packs qui vont être en promo, pas cher par exemple. Je sais pas, peut-être que je dis une connerie. Par exemple, le pack star, là, il a 50 000, peut-être qu'il sera à 30 000 vendredi. Peut-être qu'un pack pro, ça sera à 4 000, j'espère. Parce que ça ferait tellement de... Là, faut en profiter, le Black Friday. Voilà, ça, c'est quelque chose dont faut profiter. Bref. Je suis impatient d'être vendredi, donc. Non, c'est le week-end aussi, ça, c'est bien. Et donc, je vais vous expliquer 2-3 techniques d'achat en vente. Qu'est-ce que c'est les nouvelles techniques? Est-ce qu'il y en a des nouvelles techniques d'achat en vente? Je sais pas trop. Je vais faire la méthode à De Bruyne, justement. C'est lui qui me l'avait conseillé, je lui en remercie, ça m'a particulièrement bien aidé. Pour un temps, maintenant, j'en fais un peu moins d'achat en vente. Vous mettez AVG 74, type, vous laissez comme ça, hein, vous mettez soit hors élite, on s'en fout. Et le prix, c'est le plus important, bien sûr, 12 000 achats immédiats. C'est parti, vous faites rechercher et vous regardez un petit peu ce qu'il y a. 75 rues, on achète tout de suite. Mesdames et messieurs, je crois que je viens de faire une connerie. C'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo, il s'appelle Ruiz et il y aura sûrement un accent, donc on va regarder où il joue. Ligano Sporting CP. 75 de général, j'ai tout acheté, mais peut-être qu'il fallait pas tout de suite l'acheter. On va aller regarder ça, écoutez. Je pense que c'est. J'aurais peut-être pas dû l'acheter. Bon, écoutez, c'est un jeu, 12 500, on le revendra à 10 000 si jamais. C'est pas grave, alors. Post AVG, 75 de général, c'est pas mal, 75 de général. Ça doit faire un bon truc. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire alors? J'ai fait une bonne affaire, effectivement. J'ai fait une bonne affaire. Parce que les moins chers sont à 19 500, je crois. Donc, effectivement, on commence très bien cette vidéo. Pourquoi pas la vidéo chance, hein. La vidéo chance, je vais le mettre à 18 000. Celui-là, la vidéo chance. Et donc, qui dit vidéo chance dit pourquoi pas packer une élite. Mais hier, j'ai ouvert un pack pro. J'ai packé quoi? Une élite. Et pas n'importe quelle élite. J'ai packé une élite informe. Je vais tout de suite vous montrer. Je vous montrerai pro. Puis on continue pas la technique. Donc, voilà. La technique marche toujours. Merci. Merci à De Bruyne. Merci à De Bruyne. 12 000, ça marche très bien. Ça marche très bien. 74 de général, je vais me faire un peu de bénéfice. Là, c'est super. On va passer peut-être la barre des 400 000 en vidéo si on arrive à le vendre avant. AVG. Et on continue de spammer. Voilà, Ruiz, on l'a gagné. On a eu de la chance. Je viens de louper un Diamanti. Juste avant de commencer la vidéo, je loupais un Diamanti à 12 000 qui se revend pareil à 18 000. C'est pas grave. On a eu Ruiz. C'est pas mal, Ruiz. Donc voilà, ça c'était la méthode AVG, je pense que vous avez compris, ça c'est pour les moyens budget, effectivement, même petit budget. En fait, moi je sais pas trop à partir de combien vous estimez le petit budget, parce que moi petit budget ça partait de 50 000, mais pour vous c'est peut-être des gros budgets, enfin bref, vous avez compris. Petit budget, ouais, c'est peut-être 1000. Pour les tout petits budgets, je vous conseille la méthode OR, joueur OR. HM Media vous mettez 1000, en type vous mettez OR, Elite, on sait jamais, hein, on sait jamais, il y a des fous qui mettent ça, et vous faites chercher. Et voilà, il y a tous les joueurs qui partent. Vous pouvez voir qu'il y a tous les joueurs qui partent. On va imiter de mettre les écussons. Je sais pas du tout comment faire. Peut-être qu'en mettant joueur, ça va enlever. Je sais pas du tout.
Non, pas du tout. Bon, vous prenez pas l'exécution, vous voyez, on a des nouveaux qui se relèvent. Un Lefis DC73 à 590, je crois, ça aurait peut-être été intéressant. On va regarder son prix, son vrai prix. Tac, 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 tac. Lefis 1400, ouais, vous aurez fait un peu 1000, pas un peu, 800, allez, 800, 700, 800 de bénéfices, donc ça aurait été intéressant pour vous de l'acheter à 590. Je pense que vous avez compris. Maintenant, la méthode élite que je vous avais présentée ne marche plus. Parce que enfin, marche plus. Elle marche, mais il faut mettre d'autres prix. Je vous avais dit 42 000, souvenez-vous. Là, on met notre général minimum, maximum. Joueur élite. Mais regardez maintenant le nombre d'élites qu'il y a. Regardez ce nombre d'élites qu'il y a. Il y a des nouveaux élites tout le temps. Tant mieux, j'ai envie de dire, pour les arrivants. Tant mieux pour ceux qui commencent FIFA Mobile. Ils pourront avoir des bons joueurs pas trop chers. Regardez le nombre d'élites à moins de 40 2000, c'est incroyable. Déjà, pour trier, vous pouvez mettre 80 de général. Parce que souvent, les élites à 80 de général, à 80, pardon, c'est toujours les mêmes. Donc, on met 80 en général. On voit qu'il y a souvent les mêmes. Maintenant, il y a Vieirinha, il y a Benes, il y a Corluca, Rodriguez, Eder, Pereira, Nasri, Kane. Il y en a quand même pas mal. Et si vous avez le temps, il y a Maximovic aussi. Ouais, c'est toujours les mêmes. Il y a Luis Gustavo. Luis Gustavo 83, n'achetez pas Luis Gustavo, évidemment. Depuis combien de temps qu'il est mis? 3h18, évidemment, n'achetez pas Luis Gustavo. N'achetez pas Luis Gustavo, c'est une arnaque, Luis Gustavo. Je l'ai déjà eu, pardon, dans mon club. Il n'est pas terrible. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est ces joueurs comme ça, là? Ces joueurs comme ça, qu'est-ce que c'est ces joueurs comme ça? Je vais vous expliquer tout de suite ça après. Donc voilà, mettez 80, même 82. Plus on est de fou, plus on rit. Je sais que ça n'a aucun rapport à ce qu'on fait. Mais mettez 82, il peut avoir des belles surprises. Prenez pas les joueurs LMLS. Prenez pas non plus Luis Gustavo. C'est un peu chiant, c'est vrai, c'est qu'il y a plein de joueurs MLS, qu'il y a plein de Luis Gustavo. Cette technique, je la fais plus. Elle est de plus en plus difficile à faire. Plus en plus difficile à faire. J'essayais pourtant de faire des autres techniques. Par exemple, je sais pas, mettre 100 000. On va se calmer. 100 000. Pas ça, c'est les gros budgets. Hein. On est d'accord, c'est les énormes budgets. 150 000. J'ai pas oublié un zéro. Non, ça va parfait. Pourquoi il met HC Media? Je veux le 100 000. Je sais pas, 110 000. On peut pas mettre. Ok, je savais pas. Écoutez, on va mettre 100 000. Là, on va rien mettre du coup. Je crois que ça a bugué, c'est tout ça, c'est pour ça en fait, ça a bugué. Donc 100 000. Ok. Et là, je veux mettre 150 000. Ok, parfait. Voilà, on met comme ça. Et par exemple, vous cherchez un joueur à 83 général. Je pense qu'on va tomber sur des... Pareil, on va tomber sur des... Voilà, on mettait 84. Je sais pas, en fait, là, j'improvise totalement. Mettre 84, on a des bons joueurs, on a des bons joueurs. Ribéry coûte pas si cher que ça en vrai. Ribéry, ah, c'est l'avant gauche, après c'est pas les mêmes. Vous regardez un peu, 85 G1 pour Arjen Robben, c'est très intéressant, c'est pas cher. Ibrahimovic, même 84, c'est pas cher, les joueurs sont pas chers. Mettez même pas 150 000, mettez 110 000 par exemple. J'ai mis 1 000 000, ça va pas le faire. 110 000 par exemple. Et là, vous avez vraiment des beaux joueurs, je trouve, mais pas cher. Pas cher du tout, vraiment pas cher, je trouve, c'est sympa pour l'achat revente. Après, dans cette période, vous mettez 86, hein, ou 85, comment 85, vous mettez 85. Allez. Il y aura qui? Il y aura personne. Voilà, mais je pense que faut peut-être essayer. Genre, peut-être 130 000. Allez, 130 000, essayons 130 000. Ouais, non, on va tomber sur du Strootman, ça va pas le faire. Bah mettez 100 si au pire laissez 130 000, vous regardez vite fait comme ça. Vous. Vraiment, à Charente, c'est vraiment à vous de trouver, c'est pas qu'à moi de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, nous allons jouer contre De Bruyne alors, en espérant gagner, j'ai vu que vous avez mis 3 buts, c'est pas terrible. Je vais dire ça, je vais en mettre 1, tu vas voir. J'espère que l'enregistrement va pas trop buggy, si vraiment ça bug trop, j'enlèverai. J'espère vraiment que ça n'a pas bugué. On a 4-4-2. Oh, je ne vous ai pas montré mon équipe. Je vous ai pas montré l'équipe. On va regarder l'équipe tout de suite après. J'ai surtout changé la défense. La défense a carrément bougé.
milieu un petit peu et un tout petit peu et l'attaque pas du tout. Hop, on va commencer ce match. 3 buts à mettre. C'est pas énorme. Sachant que j'ai déjà fait pas mal de matchs contre lui. Mon bilan c'est 8-3 contre lui. 8-3, ça va, je me débrouille bien. Mais ça fait longtemps que j'ai pas joué contre lui. Il a augmenté. Enfin, il a acheté des très bons joueurs. Papadopoulos, il manque un peu de rapidité. Heureusement, il revient. Il a acheté un gardien aussi. Donc écoutez, ça va être un match serré. Peut-être que je vais pas garantir 3 buts. Je vais pas garantir du tout 3 buts. Allez, allez, griller. Allez, Grisou. Qui fait beaucoup de bien à l'équipe, hein, évidemment, Grisou. Voilà. Un 86, on s'amuse. On s'amuse avec Van Persie. On s'amuserait aussi avec s'il aurait un tout petit peu plus de vitesse. Mais je vais pas cracher dessus. Hein. Van Persie, regardez, il a de la finition. Et pour moi, c'est le principal. C'est d'avoir la finition. Après, qu'il aille pas. Oh, Sanchez, c'est une petite pépite aussi. Une petite pépite que j'ai chopée dans un pack. Très très beau tir. Enfin, très très bon joueur. Un 79 de général, c'est un informe. Mais ce que j'aime par-dessus tout, bien sûr, vous avez peut-être remarqué. C'est sa vitesse. Van Persie sur le côté, il va tirer et l'arrêt de son gardien Alan, je crois, c'est ça. C'était un milieu aussi. J'ai vraiment un milieu gauche et un milieu droit très rapide. Et ça c'est super. Ça, je trouve que ça met de la vitesse sur les côtés. Regardez, il est rapide. Hop. Bon, par contre, il a un peu moins de finition, mais ça n'empêche pas de lui mettre des frappes comme on a fait une tout à l'heure. Attention, Manolas, la tête. Voilà, Manolas, c'est l'un de mes achats. Attention, c'est l'un de mes achats, Manolas. Je vous montrerai à l'équipe après, vous inquiétez pas. Bon, ça bug un peu, ça va, c'est passable. Vous voyez ce que je fais. Osea Cup, pourquoi pas. Très bon tireur de coup franc, Osea Cup. Ah bon. À cette distance, c'est plus dur. Avec Griezmann. Faut mettre le quatrième. Comme ça, on passe devant. On est un peu plus serein. Avec Grisou. J'allais dire, voilà, mais pas du tout bien joué. Wendell, c'est le prochain joueur que je change. Alors, j'hésite entre Alaba et Philippe Louis. On m'a dit Alaba. Mais Philippe Louis, vraiment, il est pas mal, je trouve. Il est moins cher, c'est déjà ça. Il a un peu moins de vitesse, mais bon. Allez, il nous reste 4 minutes. C'est la dernière action, sûrement, avec Osea Cup. On va faire un 3-3, c'est pas grave. Ou en 4-3, si on marque. On marquera pas, à moins qu'on récupère avec Osea Cup. Allez, Osea Cup, défonce-toi. Non, ça fera un 4-4. Ah, peut-être pas. Peut-être pas, si, ça fera un 4-4. Un 3-3, pardon. Bon, bah écoutez, comme ça, je ferai la troisième mi-temps. Enfin, la deuxième mi-temps, pardon. Dans la deuxième partie de vidéo. 3-3. J'aurais pu mieux jouer. Mais il a une très belle défense. On va aller voir sa défense à De Bruyne. On va aller la voir sa petite défense à De Bruyne. Je sais que ça lui fera plaisir de passer dans la vidéo en plus. Excusez-moi. On va voir tout d'abord son attaque. Donc il joue, bien sûr, vous êtes sûrement remarqué, il joue en 4-3-3. Hein, avec une attaque élite. Comme moi d'ailleurs. Avec Quincy Promesse. Quincy Promesse très rapide. Très très rapide. Et moins rapide que Jelson Martins. Mais il est très rapide quand même. Finition 82, très bon joueur Quincy Promesse. Louis Krimi très rapide, hein, il a misé sur la vitesse, là sur son attaque. Moins rapide que Rashford quand même. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai changé Janssen, ou Janssen, je sais pas, et que j'ai mis Rashford. Tout simplement parce que Rashford est un joueur espoir et qu'il apporte 1% de pièces en plus. Et comme je suis radin, j'aime bien avoir de la vitesse. Mirallas, très bon joueur, très bonne vitesse encore. Donc il a une très belle attaque. Milieu, pareil, il a une très belle attaque. Kimmich qui manque clairement de finition. C'est dommage Kimmich, parce que il pourrait être vraiment, vraiment être pas mal. Un tout petit peu de vitesse, mais vitesse 73, ça passe quand même. Mais la finition, vraiment, c'est ça, il pêche en finition. Ramsey, finition, hein, rien à dire, pas mal du tout. Vitesse, un peu moins de vitesse aussi. Et la Fellaini, 91 de finition, 90 de vitesse, que dire de plus? À part que c'est un joueur énorme. Marquisio, il lui manque justement la finition, la vitesse. Mais je suis bien content de l'avoir parce qu'il fait des sombreros. Il a Thomasson, le petit Adrien Thomasson. Il joue en 4-3, donc voilà, il joue avec ses 3 élites. Et je crois qu'il a peut-être une full élite. Non, il a pas une full élite parce qu'il lui manque quelques défenseurs. Il joue avec Wendell aussi. Wendell, voilà, c'est un bon joueur or. Très bon joueur or. Il joue avec Raid qui manque de la vitesse. Un petit peu de vitesse. Hein. Il manque pas spécialement beaucoup de vitesse. Il a pas mal le marquage, ça va, il a de la force, ça va. Ouais, pour un 80, ça va. Papadopoulos manque un peu de vitesse par contre, Papadopoulos, mais il a de la force. Un peu moins de marquage, ouais, c'est vraiment un 80 basique, il pourrait pas être au-dessus. Et Florenzi, il me dit qu'il est cheaté, effectivement il est cheaté. 84 de vitesse, 72 de marquage, il est un peu moins cheaté en marquage, mais c'est un reste un très bon joueur.
Et Adam, pardon, c'était pas Alan. Voilà, c'est un 79 comme Roberto. C'est un peu près pareil. Sauf qu'il a des meilleurs plongeons, mon Roberto, des meilleurs réflexes, mais un moins bon placement. Enfin bref, ça se joue à rien. Il a un meilleur jeu de la main, par contre, Adam. C'est vraiment très équilibré entre son équipe et mon équipe. Donc mon équipe, bon, j'ai pas changé, je joue avec Van Persie et Griezmann, j'ai packé Jelson Martins hier. Je l'ai laissé écouter à la place de Lemar. Qui c'est que j'ai packé d'autres? J'ai packé Sanchez du coup. Sanchez. Hein, voilà, 91 de vitesse, finition 71, écoutez, bon, ça passe. Dribble, j'en fous, de toute façon il a la vitesse, il passe tout le monde. Marquisio, Zacap, ça ne change pas. J'ai packé Bradley dans le défilé. Mais non, MLS, pardon, que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, Bradley. C'était 5 joueurs or en échange d'un joueur élite. Ça, c'est rentable. Bon, les joueurs élites MLS ne s'en vendent pas très cher, hein, vraiment. J'ai packé Fabinho avec un autre élite. C'était un très beau pack. Et la défense que j'ai changée. Je dois juste changer de Jokic, mais on s'en fout, je joue pas avec lui. Et donc, le prochain achat, c'est Wen. C'est Alaba ou Philippe et Louis. Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que j'ai packé hier? J'ai tout simplement packé Coates. Qui a de la vitesse, qui a de la force, qui a de la vitesse. Enfin, il n'a pas beaucoup de vitesse, il n'a pas beaucoup d'accélération. Mais je ne m'en sers pas, c'est juste un remplaçant à la place de Mantovani que je ne pouvais plus voir. Il a été nul à chier, Mantovani. Et donc, quand je joue en 3-4-3, c'est toujours bien d'avoir Coates avec moi. Surtout si j'oublie de remettre le 4-4-2. Avoir un bon défenseur comme ça, ça rassure. Je me suis acheté Socratis qui a de la vitesse, qui a du marquage. Qui a du tacle, qui a de la force, hein, c'est 84 de général. J'ai pas pris le 85 parce que je trouvais ça étonnant, c'est qu'il ait moins de vitesse. Et j'ai pris le 84. Mais bon. Manolas, qu'est-ce qu'il a Manolas? Il a de la vitesse, il a du marquage, il a des tacles, il a tout. Il a tout Manolas, très très bon joueur. Je pense que j'ai une très bonne attaque et j'ai pas mal de chances d'avoir cette attaque-là. Mais il m'a fallu beaucoup de temps, bien sûr, avant de l'avoir. Donc les prochains changements, ça va être que dans la défense, ça va être Wendell et Roberto. Et Jokic, mais Jokic, je prends un or 78-79. Hein, pour en passer, je vais pas m'embêter à acheter un élite, il va jamais jouer. Debuchy, il va rester comme ça, pour l'instant, il n'y a aucun souci. Voilà. Ligue, je dois faire des matchs de compétition, je les ferai pas dans la vidéo parce que j'ai peur que ça bug. Je préfère le faire hors vidéo. Enfin bref. Je vais vous montrer d'ailleurs le défi MLS, donc c'est dans saisonnier. Le défi MLS, c'est un peu le défi Halloween. Par exemple, vous devez échanger certains joueurs contre un Jovinko 84 de général. Que dire? Et surtout que Jovinko serait de façon permanente à 88 si Toronto FC accède à la finale de la MLS Cup. Et si gagne, Jovinko passera à 92 aussi, notamment. Voilà. Il reste peu de temps pour ces joueurs-là. Donc, si vous voulez le faire, c'est maintenant. Mais ce que j'ai eu, c'est ça, c'est bien. Ça, je trouve ça vraiment bien. 5 joueurs bronze, pas bronze, or MLS Cup contre un joueur élite, c'est vraiment rentable. 5 joueurs argent contre un joueur or. Ça, je l'avais fait. Une coupe contre un pack. Or, voilà. C'est tout pour les défis MLS Cup. Je pense que vous attendez un peu tous la même chose, c'est que j'ouvre mes packs. Alors, pas le temps de niaiser, on y va. On ouvre les packs. On va ouvrir les packs exercices les moins bien en premier. Alors, exercice. Ah, on a vendu l'enchère, c'est parfait. On va juste voir qui c'est que j'ai vendu. Donc, ce sera un défi entraînement, hein. Ça, c'est pas de surprise. Ruiz, voilà, très très bonne méthode d'achat-revente qui marche encore, merci Charles. C'est son prix, vous avez compris. Allez, on va ouvrir pour un joueur bronze ou argent ou un élite, mais j'ai jamais d'élite dans les packs. Pas contrairement, je crois que c'est pas possible d'ailleurs. Allez, on va ouvrir les 4 packs MLS Cup. J'ai eu 2 ors tout à l'heure, ça m'a fait un peu. Ça m'a fait 15 000 de pièces. Donc là, c'est un joueur bronze. J'espère qu'on va pas tomber sur 4 joueurs bronze, ça serait dommage. Au moins, un joueur argent. Oh, aïe aïe. Allez, donne-nous un beau truc. Oh, aïe aïe, ça de l'heure. Allez, hop, ça dégage. Allez, il nous reste. Oui, voilà, Alfaro 65. Ça se vend combien? Allez, on va aller le vendre. Bon, je le vendrai après, au pire. Ça se vend peut-être dans les demi. On passe au pack champion. Messi, Agüero, on veut des trucs comme ça. 3, 2, 1.
C'est Castro, on s'en fout un peu, Alexis Castro, ça se revend, rien du tout. C'est nul tout simplement. Allez la boutique, deux packs pro. Deux packs pro comme d'habitude. Allez, on y croit. Et on a Coupe Pologne, donc c'est pas mal, Coupe Pologne. On a d'Albert, Coupe de Niçois. Coupe Pologne que je vais mettre là-dedans. On a Bloom qui peut se vendre pas mal. Bon, allez, c'est un pack pas mal. C'est pas un pack qui rembourse, mais c'est un pack pas mal parce que les coupes c'est 3, 2, 1, hold. Ça c'est un pack un peu moins bien. Vous voyez, Capuano, c'est à chier. Tout simplement. Alors, je les mets peut-être dans l'Italie, on s'en fout. Ouais, bah écoutez, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Allez, un dernier. Allez, jamais 203 comme on dit. Allez. Allez, les gars. On y croit. Après, ça sera. Après, j'ai un. Et un avant-gauche. Ça se vend bien, les avant-gauches. Hein, ça se vend bien. Ça se vendra bien. Ça remboursera mon pack avec Remix. Ça remboursera bien. C'est pas mal, alors. C'est pas mal du tout, pardon. C'est pas mal, un avant-gauche. Ok. Ça remboursera mon pack. On va les vendre, les joueurs qu'on a packés. Je suis content pour l'avant-gauche, parce que, voilà, ça va, j'aimerais bien aimer qu'ils soient un peu plus, mais bon. Donc, Isen, il joue Isen. On se fait de Alveslangen. C'est très mal dit. Alors, faut la voir. À chaque fois en vidéo, je galère à voir les trucs. C'est incroyable. Je galère toujours à voir où sont les ligues. Allez, est ici. Il joue où? Enfin, j'ai pas regardé, il jouait. Je crois qu'il joue à. Je crois que c'est ici qu'il joue à IFK. Je crois que c'est ça. Non, IFK. Ah, c'est lui, je crois. Bon, on va mettre les deux. AVG. Or. Qu'est-ce qu'il joue là-dedans? Non, s'il joue pas là-dedans. Hop, voilà, il joue là. 11 500, on va le mettre à 10 000. On va le mettre à 10 000. Donc voilà, pack remboursé, c'est cool. Si au moins tout ce qu'on a eu, on pourrait rembourser au moins deux packs, ça serait pas mal. Je vais voir la Coupe Pologne aussi. Parce que si je trouve la Coupe Pologne, en fait, on m'en fout un peu. Si elle coûte pas mal, c'est pas mal. On va vendre ces trois joueurs. Alfaro. En premier. Alfaro, c'est un joueur argent, c'est un lycée. Il n'y en a pas 50 des Alfaro, voilà. 2225, 2100, 2950, il part pas. 1950, on va le mettre à 1700. Tac. 1700. Et 1500. Honnêtement qu'ils ont. Voilà. Rimic, défenseur gauche, 66 de général. Espérant qu'il n'y ait pas d'accent sur le E, mais comme c'est un anglais, je ne pense pas. Défenseur gauche, 66. C'est un joueur argent, donc pas la peine de le mettre plus. 2600, pareil. Est-ce qu'il y a moins que 2000, 2300? Est-ce qu'il y a moins de 2300? 2050, 1919, on le mettra pareil, 1700. Ça me remboursera deux. Je sais pas. On n'aura peut-être pas deux packs. Un pack et demi, on va dire. 1600. Après, je vendrai tous les autres joueurs en vidéo. Et Bloom. Bloom, je suis sûr qu'on va pas le trouver. Défenseur droit. Je crois qu'il y avait 66 aussi. J'espère qu'il y a vraiment 66. J'ai pas retenu son niveau à Bloom. S'il avait 66. 2600, un peu plus cher celui-là. On a vendu quelqu'un, c'est cool, on va aller voir qui c'est. 2400, est-ce qu'il y en a un 2400? J'aimerais bien avoir vendu. Ok, 2050, 1800. J'aimerais bien avoir vendu notre petit AVG. 1800. 1600, voilà. On va juste aller voir la Coupe Pologne aussi. On va voir qui s'en a vendu. On a vendu déjà deux joueurs.
Allez, on va espérer avoir. On va espérer avoir notre petit. Oui, parfait. Notre petit AVG a été vendu. Pas que remboursé. J'arrive pas à vendre le jeton de Dortmund. Ou... Tac. Alvaro. Non, non, pas du tout. Non, pardon, pourquoi je dis ça? Pologne. Et c'est la Coupe Pologne. Alors, la Coupe Pologne 2250, elle est pas terrible. Pas terrible du tout. De 1100. Bon, je vais la garder, on sait jamais, on peut pas qu'il y ait des ventes de ski. Sans pression. Voilà. Je pense que c'est bon, on a fini. Regardez mon petit jeu, c'est pas de la phrase de misère. Oh, ok. Il n'y a pas d'autres défis à faire. Non, il n'y a pas d'autres défis à faire. On va pas pouvoir faire d'autres défis. Enfin, ça fait quand même 26 minutes qu'on tourne. Oh là là, c'est quand même assez beaucoup. Bon, bah écoutez, je pense qu'il est temps de nous quitter. 26 minutes, c'est quand même long. C'est passé vite. C'est passé très vite. 26 minutes, 19h26. Voilà, bref. Voilà, donc c'était Samatéja 113. Je vous dis pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à me dire, à conseiller des joueurs. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était SMTG73.